بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقرأ هذه النصيحة إن شاء الله تعالى. Ce conseil de l'imam Ibn al-Qayyim رحمه الله dans son livre Al-Fawa'id. قال نصيحة هلما إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها. Ce conseil d'Ibn al-Qayyim, c'est un conseil jamil, c'est pour te permettre de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. بلا نصب ولا تعب ولا عناء. Sans faire beaucoup d'efforts, sans te fatiguer. Il va te citer une faïda azima pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre but à chacun, ça doit être هذا. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est khaliquna, c'est rabbuna, c'est lui qu'on doit adorer, il nous a créé que pour هذا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc on doit tout faire pour se rapprocher. Tous ces bienfaits qu'il nous a donnés, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim قال وَذَلِكَ أَنَّكَ فِي وَقْتٍ بَيْنَ وَقْتَيْنَ. T'es dans un temps, fi waqt, bayna waqtayn, entre deux temps. T'es dans un temps et le temps présent, aujourd'hui. Entre deux temps, le passé et le futur. قال وهو في الحقيقة عمرك. C'est la durée de ta vie. Le présent, ce qui est passé de ta vie, et ce qui te reste. Donc t'as trois temps, t'as trois moments, le moment présent, le passé et l'avenir. وهو وقتك الحاضر بينما مضى وما يستقبل. فالذي مضى اسمع الفائدة. Tout ce qui est passé, فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار. Tout ce qui est passé, ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim, il est ghafour, il est rahim. Si t'as fait des erreurs, t'as fait des péchés, tu regrettes certaines choses, tant que t'es vivant, c'est pas trop tard. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. On ne doit pas désespérer. Ce n'est pas min sifat al-mu'mini. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ghafour, il est rahim. Demande pardon. Fais tawbah. Tout ce qui s'est passé avant. Et avant ce moment que tu vis l'un. فَالَّذِي مَضَى تُصْلِحُهُ بِالتَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ وَالِاسْتِغْفَارِ. Ça nous montre que la tawbah, elle a des conditions. Tu regrettes. Tu as une bonne intention que tu ne referas plus ces choses. Tu es sincère. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne. Tu fais tawbah, tu te repens. وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق إنما هو عمل قلب تأمل. Est-ce que ça va te prendre un effort هذا? C'est dans ton cœur. Il n'y a pas de amal à faire. مثلا, tu sais que dans le passé tu as fait telle chose de mauvaise qui contredit le kitab, qui contredit le sunnah, des péchés clairs. Tu demandes pardon, tu fais tawbah avec ton cœur. Bien sûr, avec les conditions. Que tu es azim de ne plus retourner, que tu es azim de délaisser cette chose. Tu regrettes, ça t'a fait du mal. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ida azim. Si on te demanderait une somme, n'importe quelle somme pour effacer, tu ne pourrais pas. Est-ce qu'on peut effacer nos péchés antérieurs avec de l'argent? Abadan. Une chose qui efface, la tawbah. Mais la question qu'on se pose, c'est... Est-ce que Allah va nous wafaq pour faire cette tawbah? Donc celui qui ressent hada tawfiq et qui y pense et qui veut la faire, c'est une ni'ma. Il doit shkur hadihi ni'ma et il fait tawbah. Et tous ses péchés antérieurs, ils sont pardonnés. Et ça c'est un fadl azim. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala c'est arhamur rahimin. Ba'd al-ibad, peut-être que tu fais une erreur, c'était pas intentionnel, Rubama t'as pas fait exprès, il te parle plus. Même si tu lui demandes pardon, il ne veut plus te parler. Yuhajiruk, pour quelque chose de dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimin. Et c'est le qawi, c'est l'aziz. Si tu fais tawbah, il te pardonne tout. Qala azza wa jal, faman taba min ba'di dhulmihi wa aslaha, fa inna allaha yatubu alayhi, inna allaha ghafurun rahim. Ta'ammal hadhi l'aya. Faman taba min ba'di dhulmihi. Al-dhulm huna, ça implique tous les péchés. Ça peut être al-zulm al-akbar, al-shirk. Inna al-shirka la-zulmun azim. Al-shirk,
Ça s'appelle le dhulm, c'est la plus grande injustice, adorer autre qu'Allah ou un autre avec Allah Azza wa Jalla. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ. Ça montre, حَتَّى الْكَافِرِ حَتَّى يَهُودِي نَصْرَانِي مُشْرِكِ وَاحَدْ. Il a fait des énormes péchés. Ne désespère pas. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ. أَصْلَحَ أي, il répare ce qu'il a fait. Il faisait du shirk, il délaisse et il adore Allah seul. Il faisait pas salat, il regrette, il fait salat. Si c'est un péché qui est lié avec un abd, min حقوق الآدمي, il a pris de l'argent à quelqu'un, بغير حق, il lui a fait du mal, il lui demande pardon. يصلح ما أفسد, celui qui remplit ses conditions, il est sincère. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. N'ait aucun doute tant que les conditions elles sont remplies. Et avec nos frères, on avait fait une kalima sur at-tawbah, le repentir sincère. On avait fait une kalima, on l'a propagé, on a détaillé ces conditions qu'on ne détaillera pas ici. Donc, tout ce qui est lié au passé, il n'y a pas d'effort à faire, tu fais tawbah et Allah te pardonne tout. Imagine un ta'akhil karim had al-fadl. Et ça te montre que tu dois avoir un husnu dhan billah et ça te pousse à aimer Allah Azza wa Jal akthar. Peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de zulm et de fasad fil ard, s'il fait tawba sincèrement, sur l'instant, Allah il lui pardonne tout. Et à partir de ce moment, il recommence à zéro. Donc tout ce qui est passé, c'est fini. Qala wa tamtani' fi ma yustaqbal min adh-dhunub. Tout ce qui est passé, c'est fini. T'es à l'instant présent. Le futur, bi'idnillahi azza wa jal, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui te wuffaq et t'as l'intention de plus faire de péchés. Ces péchés, tu les fais plus. Et l'insan, bien sûr, il n'est pas ma'asoum, il n'est pas infaillible, on a des faiblesses. Lakin, ton intention, c'est de pas les faire. Si tu glisses, tu refais tawba. Et Allah, il te pardonne. Celui qui met en application cette nasiha, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala ala khayr. Lakin, il faut faire le dua. Il faut avoir une bonne intention. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous waffaq, qu'on fasse tawba, fima mada, et tout ce qui est passé de nos dounous, et kadalik, il nous facilite à mourir à la khayr. Husnul khatima. Qal ibn al-Qayyim, wa tamtani' fima yustaqbal min al-dhunub, wa amtina'uk tarkun wa raha. Est-ce que ça demande un effort? Ça ne demande pas d'effort. Tu ne fais pas. Ce qui demande des efforts, c'est de faire. Ça demande un effort. Lakin, tout ce qui est passé, t'as fait tawbah, ça t'a demandé aucun effort. Et ce qui vient, inshallah, t'as l'intention de ne pas le faire. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de amal, il n'y a pas de ta'b. Bel siraha pour celui qu'Allah y waffaq. Ça va l'apaiser, ça va le calmer, ça va le tranquilliser. Bi'idnillahi azza wa jal. Laysa huwa amalun bil jawarih yashqu alayk mu'anatuh wa innama huwa 'azmun wa niyyatun jazimatun turihu badanak wa qalbak wa sirrak. C'est pas un effort que tu dois faire avec tes membres. Là, c'est une intention que tu veux plus faire ces péchés et que tu t'écartes. Si l'ange de la mort il récupère ton âme fi hada al-hal, tu meurs à la khair. Bien sûr, le muwahhid, etc. Il meurt à la khayr. Allah, il lui a pardonné ses péchés passés, il avait l'intention de ne plus en faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a repris son âme à ce moment, il est à la khayr. Est-ce que ça a demandé un effort, une dépense d'argent, des efforts avec des membres, avec tes mains, avec... Wala shay min hada. Lakin al-muwaffaq man wafaqahu Allah. Pourquoi akthar an-nas ils pensent pas à hada? Lianna tawfiq c'est biyadillah. Et ça nous montre l'importance de l'ilm et l'importance de revenir à ahl al-ilm. Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il nous montre هذه الفائدة avec un kalam très simple. قال رحمه الله فما مضى تصلحه بالتوبة. Tout ce qui est passé, tu corriges avec la tawba. وما يستقبل تصلحه بالامتناع. Et ce qui arrive, si tu es encore en vie, tu as l'intention de ne pas y faire, de ne pas faire cette chose. والعزم والنية وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب. Dans ces deux cas, le passé et l'avenir, t'as pas d'effort à faire. C'est pas comme certaines choses, ça demande un effort. C'est pour ça que certaines personnes, elles sont excusées de ne pas faire siyam. Il y en a, il y a un effort. Tu dois pas manger et boire du fajr jusqu'à ghurub ash-shams. Ça demande un effort. C'est pour ça que le malade, la femme enceinte, l'enfant, les personnes âgées, ils sont min ahl al-adar, ils sont excusés. Kadalik al-hajj, ça demande un effort. Il faut de l'argent et il faut kadalik, ça demande un effort physique. C'est pour ça que certaines personnes, elles sont excusées. Amma hada, ça te demande aucun effort.
الأجر العظيم. ولكن الشأن في عمرك وهو وقتك الذي بين الوقتين. On a fini le passé et le futur. Il reste l'instant présent. C'est ça l'essentiel. C'est dans ce moment que tu dois faire des efforts. فمن رحمة الله عز وجل il te pardonne tout ce qui est passé. Si tu as une bonne niya, tu n'as pas l'intention de faire du shar, tu es à la khair, il reste l'instant présent. Est-ce que tu es fi ta'a ou tu es fi ma'asiyah? قال فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك. Si tu ne fais pas attention au temps présent, الآن مثلا نحن اليوم, on est au début de Ramadan. Est-ce que tu fais siyam? Alhamdulillah. Est-ce que tu fais des efforts fi al-Qur'an? Alhamdulillah. C'est bientôt salat al-Asr. Est-ce que tu vas faire salat al-Asr à l'heure pour les hommes au masjid? Alhamdulillah. Est-ce que tu n'as pas commis d'injustice? Alhamdulillah. Est-ce que tu ne fais pas de bid'a? Alhamdulillah. Si tu ne fais pas de shirk? Alhamdulillah. Le temps présent. قال فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك وإن حفظته من إصلاح الوقتين الذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. Si tu préserves ce temps présent avec la tawba que tu as fait du passé et ton intention de ne pas faire des péchés, t'es fi sa'ada wa na'im, comme il a dit Ibn Qayyim. Tu seras heureux et si l'ange de la mort vient, walillahi alhamd, t'es prêt. Ça nous montre la hikmah, pourquoi on ne connaît pas le jour de notre mort, le moment de notre mort. Pour que tu fasses des efforts. Mais si tout le monde connaît très quand est-ce qu'il va mourir, il ne va rien faire jusqu'à avant sa mort. Là, hikmah Allah Azza wa Jal, Allah t'a facilité, tous tes péchés sont pardonnés avec tawba. Tu dois avoir une bonne intention pour le futur. Le temps présent fait des efforts. N'importe quel moment, malak le mot où tu viens, tu es prêt. C'est ça, ad-dunya, faire des efforts. Notre but, nahnu, c'est ça, se préparer à l'arrivée de malak le mot. قال وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده. C'est beaucoup plus compliqué de préserver le temps présent que l'avenir et le passé. L'avenir et le passé, on a vu, ça ne demande pas d'efforts. Amma, le temps présent, c'est là que tu dois faire tes efforts, akhil karim. Shtahid, patiente, accroche-toi. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Accroche-toi. Ça va vite passer. تأمل أنت الآن de combien d'années tu as passé sur cette terre. Ça passe très vite. Combien de temps il reste? Allahu a'lam. Même si tu prends le temps le plus large, ça passera très vite. Alors qu'on sait que ça peut venir à tout moment. Donc on s'accroche. قال فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. Tu veux préserver le temps présent? Regarde ce qui est le plus utile pour toi. Le plus utile. Et ce qui est le plus utile, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné dans le Coran. Et في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت. Les gens l'un, pourquoi un tel il est plus pieux qu'un tel, un tel a plus de ilm qu'un tel, un tel il fait plus d'efforts qu'un tel, c'est par rapport au temps présent. Amma tawba, si tu fais tawba, Allah il te pardonne. Le temps présent, c'est là que les gens ils se dépassent les uns les autres. Et nous on doit faire des efforts. فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك. نصيحة جميلة. ابن القيم يجور. فهي والله أيامك الحالية. Ce temps présent, ces jours, jour après jour que tu vis, fais des efforts. تجمع فيها الزاد. الزاد, c'est les provisions. Pourquoi? Pour l'akhira. On doit faire attention de ne pas exagérer في الدنيا. Ne penser qu'à الدنيا. Avoir des projets qui fit dunya. Parler que de commerce. On doit faire des efforts et se préparer pour les choses qui sont a'azam et afdal. Ibn al-Qayyim, dans une autre faïda, qu'on essaiera de lire un jour, inshallah, il compare cette dunya à un safar. Est-ce que dans le safar, tu trouves le repos? Tu ne trouves pas le repos en général. Même si tu te reposes, c'est pour te préparer à continuer ton voyage. Est-ce que pour le safar, tu as besoin de provisions? Na'am. Tu as besoin d'une monture, tu as besoin de nourriture. Cette dunya, c'est un safar. C'est quand que tu te reposes? Pendant le safar ou après? C'est après. Le voyageur, il sait qu'il se reposera quand il arrivera. Cette dunya ne compte pas te reposer. Tu te reposeras après le voyage. Fil jannah bi'idnillah. Qala, fahiyya wallahi ayyamuk al-haliya allati tajma' fiha az-zad lima'adik imma ila al-jannah wa imma ila an-nar. Ce voyage, tu as deux arrivées. Jannah ou nar. Fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Et les deux demeures, les deux arrivées, il y a des provisions. La provision de Jannah, c'est tawhid. C'est faire salat.
C'est suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est avoir un bon comportement. C'est patienter. C'est faire des efforts fil ilm. C'est aimer pour Allah, détester pour Allah. C'est ça les provisions. Les provisions de nar, iyadam billah, c'est shirk. C'est al-juhoud, c'est le kibr, c'est l'orgueil, c'est la mécréance. Donc, anta tefikhtiyar. Choisis ce qui te sera utile. Qala, fa'in ittakhadta minha sabilan ila rabbik, balagta as-sa'ada al-uzma wal-fawz al-akbar fi hadhihi al-mudda al-yassira allati la nisbata laha ila al-abad. Si tu fais des efforts, tu ne sais pas combien de temps Allah il a qaddar, ce voyage il va durer pour toi. Peut-être que ça durera 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, si on compte depuis le jour du teklif, à l'âge de la raison, de la puberté, quand l'ange commence à noter jusqu'à la mort, Allah a'lam combien ? 10, 15, 20, 30 ans. Ça peut être court, ça peut être plus long. Ala kulli hal, c'est rien par rapport à l'éternité. Et ça c'est min fadlillah. Peut-être que tu auras fait des efforts pendant 5 ans, si on compte kadhalik ceux qui font tawbah, comme on l'a cité auparavant. Quand tu fais tawbah, ça repart à zéro. Peut-être qu'il a fait tawbah et il a vécu un temps minime, un an, un jour, une semaine, et il va fil jannah. Cette petite période, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'éternité. Ta'ammalu hadith alladhi qatala 99 nafsan. Il a tué 99. Thumma, il a fini avec le centième, quand il a demandé à l'ignorant. Thumma, il a regretté, il a fait tawbah, il a demandé aux savants, est-ce que je peux faire tawbah? Il lui a dit na'am, et tu quittes ta terre. Il a quitté la terre, il a commencé le voyage, il est mort. Allah alam combien de temps, combien d'heures, combien de jours. Il est mort. Et il est fil jannah. Malgré qu'il a tué 100 personnes et il faisait que du char et du fasad. Al-ibra c'est bil khawatim. C'est comment mourir sur quoi. C'est ça l'important. C'est pour ça qu'on doit toujours faire des efforts dans l'instant présent. Qal ibn al-Qayyim rahimahullah. Wal fawz al-akbar fi hadhihi al-mudda al-yasira allati la nisbata laha ila al-abad. Si tu compares al-dunya par rapport à l'akhira, c'est la shay. C'est incomparable. Ibn al-Qayyim il a cité plusieurs versets. Qala. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ dans une autre faïda. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَعَةً مِنَ النَّهَارِ. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala reprendra les âmes de certains, ils penseront qu'ils ont vécu qu'une heure. As-sa'ahuna c'est un moment. سَعَةً مِنَ النَّهَارِ, un moment de la journée. Alors que peut-être que cet être humain il a vécu 20, 30, 40, 50 ans. وَقَالَ عَزَّ وَجَلُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّعَةً. Le jour de la résurrection, taqoumu as-sa'a, tout le monde devra rendre des comptes. Wa yawma taqoumu as-sa'a yuqsimu al-mujrimun ma labithu ghayra as-sa'a, ma labithu ghayra as-sa'a. Le jour de la résurrection, le jour des comptes, le mujrim, le kafir, il jurera qu'il n'est pas resté plus d'un moment sur terre, un moment de la journée, alors que peut-être qu'il a fait 40, 50, 60 ans. Donc est-ce que on va gaspiller et on fait pas des efforts ce petit temps et on gaspille, on dayya l'akhira. Al-aqil al-an, celui qui a la raison, fadlan de celui qui a l'iman, est-ce qu'il va faire passer dar al-fana wa ta'b, cette dunya, avant l'akhira? Là, comment tu ne peux pas échanger quelque chose qui ne dure pas avec quelque chose qui est éternel? Qal ibn al-Qayyim rahimahullah, wa in atharta al-shahawat wal-rahat wal-lahu wal-la'ib. Si tu fais passer avant ton din, avant cette difficulté, ces sacrifices, tu fais passer al-shahawat, tes envies, les passions, al-la'ib, le jeu, vouloir prendre du plaisir. In qadat anka bi sur'a, ça passera très vite. Kam al-an min al-kuffar, ils ont des millions et yatamatta'un bi nisa, bi mal, bi akl. Combien de temps ça va durer? Ça va durer un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Ça passe très vite. Et ça devient habituel et ils prennent même plus de plaisir. Et il meurt, il mourra comme toi. Qala. وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله. Si tu patientes, ces sacrifices, ces douleurs que tu ressens, أحيانًا tu dois patienter, ne pas faire ça, c'est rien par rapport à la souffrance que أهل النار y goûteront. Et كذلك c'est rien par rapport à toutes les ni'am que le mu'min y goûtera في الجنة. قال عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. Tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'insan est patient. Cette dunya c'est dar amal. C'est dar amal, c'est des choses que tu prépares pour l'akhira. Et ma'a hadha, Allah subhanahu wa ta'ala nous arham. On peut prendre du bon temps, on peut se reposer, on peut profiter du halal. Mais il y a des choses, tu dois faire des sacrifices et tu dois patienter pour avoir
الراحة الدائمة الفوز العظيم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.